La douceur sera au rendez-vous. Thank you.
avait notre grand maître à penser, John Cage, qui est mort hélas l'année dernière, qui préparait ses pianos, qui mettait plein de disques, enfin, il faisait des choses assez fortes avec cet instrument. Alors j'ai eu l'idée, je ne sais pas si un jour ça viendra, de trafiquer le vibraphone, peut-être de le jouer d'une autre manière, parce que je crois énormément cet instrument, qui est relativement nouveau dans notre ère contemporaine. C'est un instrument qui a à peu près, à peine 40 ans, même pas je pense. Et bon, il y a beaucoup de choses à faire, bon, il y a le jazz, ça c'est sûr, mais je pense qu'on peut faire autre chose avec cet instrument. C'est pas du tout. Comment ? C'est comme un orgue, on peut jouer très rythmique, harmoniquement et mélodiquement. Il est prêt, mais c'est un instrument qui est très difficile à pratiquer parce que nous n'avons pas, c'est pas une piano. Hein. Il est bon, bien sûr, pression dans les tuyaux. Un temps, les gens faisaient des exercices uniquement pour garder la...
Explique la variété des rythmes de Gramoun Lélé. Lélé est né dans une famille de travailleurs engagés où se mêlaient malgaches, africains et indiens. Avec sa musique maloya, Gramoun Lélé a conservé une énergie de jeune homme. C'est pourtant un des plus vieux musiciens de la Réunion. Le Gramoun signifie le vieux en créole, celui qu'on respecte. Seuls les descendants d'esclaves chantaient et dansaient le maloya. Méprisé, combattu, le maloya a la force d'une musique rebelle, aujourd'hui revendiquée par l'île de la Réunion. En 1977, Lélé, de son vrai nom Julien Ernest Phileas, a créé avec sa famille la troupe Lélé. Ses familles, accepté, Rimnéa, François, étranger, Pascal, Ilata, étranger, Jean-François, étranger, à part ça, le fils Gramoun Lélé, et le fils Gramoun Lélé, et Madame Gramoun Lélé, le fils Gramoun Lélé, la fille de Gramoun Lélé, le fils Gramoun Lélé et la nièce Gramoun Lélé, le fils Gramoun Lélé et le fils Gramoun Lélé. Voilà, tout, c'est la troupe Lélé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personnes de la troupe Lélé. Et maintenant, les 14 des nénènes n'est pas là. Hein. Gramoun Lélé travaillait comme ouvrier dans une usine sucrière de Beaufont. Il vient de prendre sa retraite et en a profité pour enregistrer son premier disque. Il n'y a pas d'âge pour le maloya. Donne-nous un petit son et pour nous entendre les... le son. Tiende ou Léa. Thank you.
c'est mon passion, c'est mon passion à moi. M'y aime ça, tu vois. Mais comme moi l'a toujours dit, moi on a 63 ans. Si tout le temps, mon des pieds il bouge encore, mon des mains il bouge encore, mon cœur il bat encore, parole il y a beau sortir dans mon bouche pour moi, pour santé, mais reste toujours dans mon maloya. Si moi je suis capable, parce que aujourd'hui, mes blesses, ne monte pas moi, mes blesses. C'est pour ça que je dresse mon maille. Quand je dresse mon maille, quand je ne suis plus capable, mes blesses, je ne suis plus capable, mais mon maille monte lui. Mais mon maille va prendre. Mais quand mon maille va prendre là, si je suis encore debout encore là, parce que je aime ça là, je prends une machine ou bien égaler ma machine, je vais écouter à l'autre, parce qu'il y a cause. Mon a l'amour pour ça, mais c'est pas ça pour la raison, mon a l'amour pour ça. Mais il aime ça, mais il aime écouter à l'autre.